Madame, comment s'est passée la biopsie? Bien, merci. Ça a fait un peu mal, mais... Bon, j'ai pris les cachets que vous m'aviez donnés et c'est passé rapidement. Et à côté de ça, comment vous sentez-vous? Avec des résultats. Et on n'arrive pas à dormir depuis deux nuits. J'ai donc reçu les résultats de cette biopsie. Malheureusement, madame, vous avez un cancer du sein. Ce cancer nécessite une chirurgie. Peut-être qu'on devra aller jusqu'à l'ablation du sein. C'est un peu brutal, mais c'est ce que révèlent les résultats. On va mettre en place un protocole de soins. Je vais vous en expliquer le déroulement, d'accord? Dans votre cas, nous avons le choix. Soit on enlève tout le sein, ou bien on fait une chimiothérapie d'abord, et on opère ensuite pour enlever ce qui restera. Sachant que ce n'est pas certain qu'on puisse garder le mamelon, vu que le nodule se trouve juste en dessous. Est-ce que cela est clair pour vous? Oh, tout ça va un peu vite pour moi. J'ai besoin d'y aller étape par étape, je vous redemanderai sûrement plus tard. Et combien de temps tout ça va prendre? Il faudra compter à peu près 9 mois, si on inclut des séances de radiothérapie. Et quand est-ce que je peux commencer les séances? C'est parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, il faut que je m'organise. Madame, je ne suis pas certaine que vous réalisiez la situation. Vous savez, cette maladie est sérieuse. Il s'agit d'une tumeur de grade 3, assez agressive, et les risques de récidive sont importants. Il faut que ce soit votre priorité dans les prochains temps. Mais ça devrait bien se passer si vous êtes persévérante dans les traitements. D'accord. Ah oui, effectivement, oui. Il n'y a pas de problème. Je serai parmi celles qui s'en sortent. Je vois que vous avez décidé de combattre. C'est un état d'esprit important pour envisager la suite. Mais t'inquiète pas, chérie. On va se battre. Hein? Oui, mais j'ai l'impression de revenir 16 ans en arrière, à la mort de ma mère, tu vois. Vous avez déjà vécu ce type de situation? Oui, ma belle-mère est décédée des suites d'un cancer de l'utérus il y a 16 ans et mon mari en a été très affecté. Votre peur est compréhensible, monsieur. Oui, mais j'ai peur pour ma femme, vous savez. J'ai peur de la perdre. T'inquiète pas, chérie. On va s'en sortir. Hein? Vous semblez solidaire et unie. Comme je le disais précédemment, madame, à propos de la combativité, c'est important pour assumer la suite des soins. Et... la situation de votre femme n'est pas la même que celle de votre mère. Et les traitements ont aussi fait des progrès entre-temps. Oui. Heureusement que ma femme était là, parce que j'aurais jamais pu remonter. T'inquiète pas, chérie. On va s'en sortir, je te dis. Oui, mais aujourd'hui, je suis là pour elle. Mais vous appréhendez. Je ne sais pas si j'aurai la force. Peut-être pourriez-vous penser à vous faire aider? Comment ça? Je vous laisse les coordonnées de la psychologue du service, qui est à votre écoute et qui pourra vous aider à réfléchir à tout cela. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi, je pense que tu devrais la voir. Ça vous aiderait. Hein? T'inquiète pas, on va s'en sortir. Votre femme a raison, prenez rendez-vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous aviez dit que... c'était sérieux, mais quelles sont mes chances de guérison? Tout ça est compliqué, on ne peut faire que des estimations. Surtout, vous recevez plusieurs mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre que votre mari souhaite qu'on aborde cela dans les médias. Oui, vous avez raison, oui. Ouais, je vous redemanderai plus tard. Hein. Du coup, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Hein. Alors, je vous prends rendez-vous avec la chirurgienne pour vous, madame, et pour la psychologue pour vous, monsieur. Normalement, on se reverra en fin de chimio, mais n'hésitez pas à me recontacter plus tôt si vous avez des questions. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Merci, docteur. Au revoir, monsieur.